Bonsoir, pardonnez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi, j'étais juste après lui. Excusez-moi, j'étais juste après lui. C'est moi, je suis au cinéma finalement. Tu vas voir quoi? Non mais sérieusement, tu vas voir quoi? J'en ai marre d'aller au cinéma toute seule. Julie, je le prendrais contre moi que t'ailles voir ce film. Tu m'aimes ou pas? C'est quoi cette histoire-là, con? T'es pas tout seul, là. Alice est avec toi? Pas du tout, non, non. Ismaël, je pense à quelque chose tout d'un coup. Tu m'emmerdes. Oh. Alors, on dort? Comment? C'est l'amour, quoi. Oh, t'es impressionnant, Ismaël. Cette faculté à lire en moi, comme dans un livre ouvert. Oh, je retire ma question. Non, non, je dis rien, je crois que c'est lui. Oui, je dors. Preuve absolue que je suis amoureuse. Et si je suis amoureuse, tu ne peux que conclure que c'est de toi, et donc je m'interdis de l'exprimer, me retranchant dans une rêverie. J'entends rien, excuse-moi, il y a des interférences, là. Attends, mets-toi à bosser, parce que je tiens pas à rester ici des heures. Julie, t'as engueulé? Tais-toi, tu me fais peur. Julie, t'as énervé. Julie, t'as posé des questions. Je sais, Julie, ne t'as pas contredit quand tu as jeint auprès d'elle que tu étais le plus minable baiseur du monde. Mais non, je vais te couper la langue, ce sera plus simple. Tu me remercieras plus tard, ma biquette. Quoi, je pense que t'es même pas circoncis. Pourquoi tu dis ça? Mais t'es un mini-juif, en fait. Oh, oui. Roll a kippa de mini-juif and go to work. Excusez-moi, est-ce que vous auriez du feu, s'il vous plaît? Ton feu nourri de questions sur le pourquoi du comment de mon cœur et ses raisons ne trouve pas de répondant. Je ne manque pas de bonnes raisons pour t'aimer. Je ne vois pas pour quelles raisons te les donner. Mes bonnes raisons pour t'aimer, pourquoi te les donner? Est-ce ta jolie paire de fesses, la peur de la solitude, le hasard et la paresse, ou une mauvaise habitude? Je ne manque pas, pourquoi les terres, de bonnes raisons pour t'aimer. Je ne vois pas pour quelles raisons te les donner. De bonnes raisons pour m'aimer, pourquoi me les donner? Mon petit ange voudrait que je chante ses louanges. Gloria. Ma sainte relique demande son cantique, des cantiques. Alléluia. Peut-être est-ce pour ton odeur, ta façon de t'endormir. Peut-être aussi pour ta sœur, ton argent ou encore pire. Je ne manque pas, pourquoi les terres, de bonnes raisons pour t'aimer. Serment à l'eau, deux paroles en l'air, trois petits bateaux oubliés par terre. Un peu de ta bouche, beaucoup de ta gueule, quatre poils dans la douche, tu vivrais mieux seul. Tes erreurs, mes jugements, mes jurons, tes errements. Et après? Après on rêve d'avant. Rien de secret, tout se perd.
De quoi avons-nous l'air à l'heure de l'inventaire? De quoi avons-nous l'air? De quoi avons-nous l'air? Cinq minutes chrono, on fera mieux demain. Six mauvaises photos d'un sexe ou d'un sein. Cet appel de ta mère, un message par heure, tu pourrais décrocher, marre du répondeur. Tenter plus, pour trois fois rien. Trop de mal, pour un bien, au bout du compte. Amour, tu m'aimes combien? Rien de secret, tout se perd. De quoi avons-nous l'air à l'heure de l'inventaire? De quoi avons-nous l'air? De quoi avons-nous l'air? De quoi avons-nous l'air? De quoi avons-nous l'air? 8 ans à t'aimer, c'était un jeudi. La terminale B, pas une lettre depuis. Je sais plus bien, je vais pas mentir. Je ne trouve plus rien de neuf à te dire. Que te reste-t-il de moi? Mieux vaut rester là. Mais dis-moi, on a fait trop de bruit. C'est Alice. J'ai amené mon pyjama. Oui, je suis pas certain que nous soyons dans le bon ordre. Voilà. Alors, excuse-moi, Ismaël. Non. T'es d'accord, Julie? Oui. J'éteins? Est-ce que j'ai pris ma pilule? Ouais, tu l'as pris. Laquelle tu prends? Bien 35, j'ai pas le souvenir d'avoir pris. Elle te convient? Bah oui. Oh, moi, la pilule me déprime terriblement. Ah bon? Tu prends la pilule? Non, mais enfin, je la prenais, mais maintenant j'ai acheté ce truc-là. C'est comme un stérilet, c'est un anneau, ça remplace la pilule, comme les hormones. Mais pourquoi est-ce que tu prends encore la pilule? Non, mais c'est pas la pilule. Oui, enfin bon, quoi que ce soit, tu couches plus avec des garçons, tu sais. T'es quand même allé vérifier. Quel genre de sexe tu pratiques? Moi? Quel genre de sexe? Je pratique le non-sexe, tu le sais bien. Voilà le genre de sexe que je pratique. C'est pas très gentil pour moi, ça. Mais toi, c'est pas pareil. T'es comme ma sœur. C'est pas vraiment du sexe. Ça, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment reprocher à l'égoïsme? L'égoïsme est parfois moral aussi. C'est dégueulasse. Normalement, c'est à toi de nous diriger. Bah, nous étions censés dormir, je te le rappelle. Tu sais, je pense vraiment que tu es très jolie. Okay, je suis pas sûr que le fait que tu le penses vraiment soit rassurant pour moi. Tu crois que tu pourrais? Quoi? Me dire un peu que tu m'aimes. Tu m'aimes, toi? T'es amoureuse de moi? Non, je t'aime pas. Non, tu m'aimes pas? Si, je t'aime. Sauf que moi. Tu vas te foutre. Oh là là, c'est minable. C'est piteux. Oh.
Je me demande si en restant avec vous, je cautionne pas un truc qui me dégoûte terriblement. Cette sentimentalité-là. Mais c'est toi qui as commencé avec tes pratiques de non-sexe. Oui, bah le non-sexe n'est pas la porte ouverte à un romantisme aussi idyllique. Mais viens pas me chercher là-dessus, je suis l'inverse d'un romantique. Oui, bah je sais, t'es toujours l'inverse de ce que tu clames être. T'es l'inverse d'un patron, l'inverse d'un juif. Mais t'arrêtes avec ça, écoute. J'ai jamais revendiqué le fait d'être juif, moi. Je sais même pas localiser Tel Aviv sur la carte de la Palestine. Donc tu commences par la joie folle. Yes. Oh. Concentre-toi. Tranquillité. Surprise. Et c'est plus la surprise, c'est quoi? C'est quoi, Julie? Êtes-vous... L'étonnement. Voilà. Ah, bah voilà. La tristesse. Oh. La tristesse pas modérée. Disons l'abattement, papa. Ouais, l'abattement. La peur? Ouais. Plus que la peur. L'effroi. Non, regarde. La terreur? Pas la terreur, mais c'est quoi alors? Julie. C'est l'horreur. Voilà. Mais bravo, Jasmine. Le désespoir. Et ben voilà ce que Ismaël tient à vous dire. Je fais passer du bonheur au désespoir. Merci. Il a l'air de t'énerver un peu, Ismaël, non? Ouais, il m'énerve beaucoup. Et toi, Cédric, tu l'as revu? Si on peut dire que je l'ai revu. Il est marié. Il ne la quittera jamais, je sais bien. Il dit qu'il attend que sa fille soit au collège, dans 2 ans normalement. Enfin, s'il ne redouble pas cette andouille. Qu'est-ce qui vous arrive, Julie? Ben, on s'est embarqué dans un truc à la con et il se met à la surpas. C'est pas une nouveauté, ça? Non, mais bon, là, il m'oblige à rentrer à sa place. Tu vas le quitter? Non, pas rompre avec lui, mais on a commencé une histoire à trois et la troisième personne s'incruste un peu. C'est qui la personne? C'est une fille, Alice. C'est une idée d'Ismaël, ça? Non, c'est une idée de moi. Je suis très ménage à trois, tu sais pas? Laisse, Jeanne, je vais m'occuper avec Julie. Mais je fais rien, là. Non, mais laisse, je te dis. On a plus besoin de toi de l'autre côté. Ça va, va t'asseoir, maman. Obéis, ne discute pas et surveille ce que papa voit, d'accord? C'est quoi cette histoire de ménage à trois? Non, non, c'est compliqué. Vous faites un trio avec Ismaël? Pourquoi tu m'en as pas parlé? Je sais pas. J'en avais pas besoin, je suppose. Mais ça fait longtemps que vous êtes trois. Quelques semaines. Un mois. Un mois? Ok, je voudrais pas être indiscrète, mais... Très bien, sois pas indiscrète. Je te cache pas que je suis un petit peu surprise. Donc ce trio, il est terminé ou pas? Ça se termine. Mais elle a les clés de chez vous, cette Alice, ou... Maman, t'espionnais? Non, mais c'est comment? Excuse-moi, je voudrais pas te poser ce genre de questions, mais... Non, c'est pas grave. Mais c'est comment? Bizarre, voilà. Et difficile pour dormir. Ah, parce que vous dormez ensemble? Vous êtes à trois dans le lit? Hum? Et c'est difficile de dormir. Bah oui, Alice fait des cauchemars. Oui, ça aide pas. Et comme elle est au milieu... Oh non, mais ça, on devrait pas parler de ça, ma chérie. Oui, bah, je suis bien d'accord, mais là, de toute évidence, on en parle. Je te cache pas que je suis un peu intriguée. Mais c'est normal, maman. Mais je comprends pas. Cette Alice, c'est pour Ismaël ou pour toi? Pour les deux. Les deux. Mais pas ensemble. Bah si, parfois. Mais c'est coton.
faut faire attention. Ah oui, bien sûr, oui, 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 ça c'est sûr. Mais ça t'est venu naturellement? Quoi, le sexe? Oui, une position. Est-ce que tu savais où te mettre naturellement? Ça, c'est pas très difficile, maman. Et comment vous décidez? De... Je sais pas, est-ce que vous en parlez avant, de ce qui va se passer, ou... Non, pas tellement, en fait. Ça vient. Mais c'est pas gênant. Non, pas du tout. J'imaginais que c'était très compliqué. C'est déjà assez coton à deux, comme ça, comme tu dis. Tu avais déjà fait l'amour avec une fille? Moi? Non, non, non. Mais ça te plaît? C'est bizarre, c'est... C'est marrant, c'est différent. Mais à cette Alice, ça lui plaît. Bon, écoute, je répondrai pas à ça. Je crois qu'on en a bien parlé déjà. Oui, oui, je te remercie, ma chérie. C'est vraiment une preuve de confiance. Merci, ma poulette. Ça va te brûler, cette galette. Juste pour finir, je veux que tu saches que je suis toujours amoureuse d'Ismaël. Mais tu fais ça pour le rendre heureux? Occupe-toi les tasses. Ismaël nous fait le coup du cousin. Chut. Attends, déconne pas, je mets une heure à l'endormir. Il le fait bien, ce couillon. Chut. Oh là là. Oh là là. On va aller voir un petit peu Jeanne. Hein? On va voir papy Jeanne. On va faire son rototo avec papy Jeanne. Mais... Oh, il est dégueulasse, celui-là. Mais t'es con, quoi. Oh, j'y tenais un peu à ce cousin. Je vais le chercher, pardon. Ah non, reste. On va d'abord faire la répartition. Pas que tu nous accuses après d'avoir triché. Et qui sait qui va aller sous la table? Oh, pitié, non, papa. Ma petite Mimi de moi, pour qui celle-là, pour qui celle-là? C'est pas extrêmement drôle. Mais laisse-la, tu vois bien qu'elle a pas envie. Allez, viens embrasser ton père. Viens. Viens. Et maintenant, tu fermes les yeux. Pour qui celle-là? Pour maman. Si je veux une place. Oh oui, mais je venais contre votre vieux père. Ah non, je pousse ton peu. Il n'y a pas de place. Maman, tu veux pas faire une photo? Oh, ça va, chérie. Oh là, mais c'est très embarrassant votre truc là. J'ai cherché le coussin. Hein, jaloux. Il bossait pas avant le dimanche, Ismaël? Si, toujours. Un dimanche sur deux. Trop fou à faire la vaisselle toutes les deux là. La machine est en panne. Non mais je veux dire, pourquoi est-ce que c'est nous qui nettoyons les restes du repas de ces messieurs? Ça m'emmerde moi. On a mangé aussi, Julie. Papa, il fait jamais rien dans cette maison. Je révise. Mais c'est une blague cette licence, maman. Je sais bien que vous la passerez jamais. Oh, c'est sûr ça. Rien pour me faire chier, la passera. Il pleut des cordes sur le génie. De la place de la Bastille, nous marchons sous un ciel gris, percé par des milliers d'aiguilles. Il pleut des cordes sur le génie, les nuages trop lourds s'abandonnent. De l'eau pour les gens de Paris, pour l'ange nu sur la colonne. À l'horizon de nos fenêtres, plus rien ne bouge, plus rien ne vit, comme Paris semble disparaître, dilué dans de l'eau de pluie. À l'horizon, le ciel défait, l'ange ruisselant se dessine. On voudrait s'aimer à jamais sous cette pluie que rien ne termine. Merde. Seul et trop. À l'horizon de nos fenêtres, plus rien ne bouge, plus rien ne vit,
comme Paris semble disparaître, dilué dans de l'eau de pluie. À l'horizon, le ciel défait, l'ange ruisselant se dessine. On voudrait s'aimer à jamais, sous cette pluie que rien ne termine. La place de la Bastille, nous nous couchons avant minuit dans des draps chauds qu'on éparpille. Il pleut toujours sur le génie. On sort des repas de famille. L'ange ruisselant dans la nuit déploie ses ailes sur la Bastille. T'as acheté une nouvelle bague? C'est moi qui lui ai offerte. Ah non, ça, ça a grave manquement à notre contrat. Hein. Quel contrat? Contrat de gentleman. Voilà, alors t'offres pas de bague à ma femme. Je suis pas ta femme, du coup. Oh, 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 et je vous vois venir, là, toutes les deux, là. Non, mais vous croyez sérieusement que j'ai pas compris votre plan de bataille? La stratégie, c'est de m'éliminer. Et la tactique, c'est de m'endormir avec vos petits bisous. Mais de quoi tu parles? Je vous préviens, hein. La guerre à trois n'aura pas lieu. C'est moi le cheval? Attrape Nigo. Et puis dedans ton cœur, tes dents. T'es sûr de ça? Oui, quand tu la touches, c'est moi qu'on baise. Bonsoir. 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 Voilà les trois. Je sais pas si j'ai très envie d'y aller, moi. Allez, on reste pas longtemps. Hey, doucement, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas pas te mettre sur le roue de voiture, là. Attention, on va passer. Merci. Petit salaud, ton jeu est clair. Tu veux tout sans rancune. Le beurre, le cul de la crémière. Deux pour le prix d'une. Petite garce, que tu es vulgaire, que c'est laid dans ta bouche, que cette jalousie m'indiffère, vois comme tu te couches. Je suis le pont sur la rivière qui va de toi à toi. Traversez-moi la belle affaire. Embrassez-vous sur moi. Je n'aime que toi. Mets les doigts. D'où viennent ces odeurs étrangères? Sûrement pas de moi. Petit garce, va donc te faire. Tu n'es pas moins farouche. Non, tu n'es pas moins adultère. Vois comme elle te touche. Je suis le pont sur la rivière qui va de toi à toi. Me placer dessus, la bonne affaire. M'enjamber, pourquoi pas? Si tu veux, fais ton choix. Le bon vieux temps, la nouvelle ère, c'était le moi. Petite garce qui je préfère, tu le sais mieux que moi. Je préfère que tu sois légère à la guerre à trois. Je suis le pont sur la rivière, regarde la sous de bois. Piétine-moi, que puis-je faire? Je ne couche pas de là. Je n'aime que toi. Je n'aime que toi. Je n'aime que toi. Je n'aime que toi.
Paris paraît déjà si loin. Paris paraît petit. Nous serons mieux, nous serons bien. Noyés dans la city. Qu'importe qu'il pleuve sur Kennedy Airport. J'ai peur pendant l'atterrissage. Mais tu me tiens la main. Quoi faire? Alors comme un garçon bien sage. Ça vous embête, vous n'êtes pas tout seul. Je pleurerai dans mon coin. Qu'importe le ridicule si tu m'escortes. Sur le pont de Brooklyn. Ma petite amoureuse. Je reviens. Grief face au building. Comme une enfant joyeuse. Avril dépose sur Manhattan du soleil et du bleu. Comme une éternité qui pleut. S'appelle Grindal. S'entraîne par qu'un ou deux. Qu'importe, je cherche Julie. Ton écharpe que le vent emporte. Puisqu'à l'heure où Broadway s'agite, nous dansons sur le toit du 218 Adam Street. Moi, Robert, toi, Lisa. Oh, excusez-moi. Qu'importe. T'es là? Je me sens pas bien. New York, New York. Je vais rentrer. Sur le pont. Mais reste si tu veux. Mais ça va pas, viens. On va rentrer à la maison. Hein? Attends. Défier les ultimes. Merde, ticket. Qu'est-ce que je suis con, quoi, les ultimes. Comme une enfant ténueuse. Vas-y, je... Sortir. Je veux qu'on sorte. Non, pardon, c'est mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Julie. Écartez-vous. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15. Monsieur, je vous ai appelé parce qu'une dame a fait un malaise, ouais. Voilà son copain. Bonsoir. Bonsoir. Julie, ouais. Julie Pommeret. P-O, mm-hmm. 2-M, mm-hmm. E-R-A-Y, E. D'accord. Et par rapport à elle, vous êtes? Son fiancé. Vous êtes? Ismaël. Benoliel, B-E. N-O-L-I-E-L. D'accord. Vous étiez là au moment des faits? Oui. Et 9, et 10, et 11, et 12. Donc et une jeune fille de 28 ans, elle est en arrêt cardio-ventilatoire. Là, elle a un glace-bois à 3. Je suis en train de poser le scope. 1, et 2, et 3. La SAT, elle est à 95 pour le moment. Et 7, et 8. Ben, vous étiez en train d'écouter le concert, et puis c'est pas senti très bien, alors elle est allée aux toilettes. Alors après, je l'ai rejoint, et... je suis allé chercher les affaires et elle m'a dit qu'elle m'attendait dehors. Et puis quand je suis arrivé, elle était allongée par terre. D'accord. Vous avez bu de l'alcool ce soir? Non. Vous avez pris des drogues? Non. Vous êtes resté combien de temps sans elle à peu près? Je sais pas, 2 minutes? Ok. Je vais vous demander d'entendre la voiture en attendant, s'il vous plaît. Allez, on a le but. Allez, on va le reporter. Ça, je reste pour le coach. On va se faire là-dedans.
sur l'épaule. Vous voulez. Allez, la tête au pied, tout se passe. Épaules prêtes, si on peut lever, levez. Allez. Allez, c'est bon, c'est bon. Un petit bris, on va la chasser, tu commences à 200 joules s'il te plaît. C'est parti. 200 joules chargés. On s'écarte. Attention pour le choc. Choc. Elle a plus de poule, elle a plus de poule, il n'y a plus rien, on a cette folie complète. On est en train de la perdre complètement, elle revient pas du tout, du tout, du tout. Non. Lâche le bicarb, tu prépares de l'adrénaline s'il te plaît. On voit 1 mg. Ballonne bien toujours. C'est on la garde manuelle. Hein. Toujours pas tout. Renvoie, encore un s'il te plaît. Allez, on en renvoie encore 1 mg s'il vous plaît, allez. Je suis médecin de l'air. TN 10, 10 Québec, Foxtrot. Delta Charlie Delta pour la personne 59 Châteauneuf. C'est mon dernier morceau dans l'air, c'est mon dernier air à la mode. Mon single pour célibataire, ma terreur dans un nom de code. Delta, Charlie Delta, sur la fréquence de la police. Delta, Charlie Delta, la chanson de la mort qui glisse. C'est un tube à tomber par terre, mais tu tombes avant de l'entendre. C'est la poussière à la poussière, le méchant petit tas de cendres. Delta, Charlie Delta, le stroboscope de l'ambulance. Delta, Charlie Delta, la chanson de la mort qui danse. C'est ton père qui dit que tu dors, ta mère qui voudrait te toucher. C'est le bois autour de ton corps, pour comprendre enfin que tu es. Delta, Charlie Delta, ça se danse la tête contre les murs. Delta, Charlie Delta, la Papa, chanson de la mort qui dure. Delta, Charlie Delta, sur la fréquence de la police. Delta, Charlie Delta, la chanson de la mort qui glisse. Delta, Charlie Delta, le stroboscope de l'ambulance. Delta, Charlie Delta, la chanson de la mort qui danse. Thank you.
Ça va? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas chez moi, là? Ben si. Ouais, pourquoi tu m'as pas dit que tu veux qu'on le fasse aujourd'hui? Je t'ai laissé sans message. Je sais, mais mon téléphone est en panne. Mais attends, je veux le journal. Écoute, c'est trop tard. Moi, j'ai pris une demi-journée. Allez, viens, on le fait maintenant. Non, je peux pas. Laisse-moi les clés, je le fais tout seul. J'ai rien rangé, j'ai. Tu montres. Bon, tu me mets dans la boîte aux lettres quand tu pars. Merci. Je pouvais pas, hein. Bien sûr que si, tu vas fouiller. Et il y a un sandwich au poulet dans le frigo, faut pas le jeter et faut pas le manger non plus. Premier regard, Bobigny, scooter volé du fils Sarkozy, trois super, arrête, troisième ligne, arrête. Tu m'écoutes? Oui. Arrêtez, moteur, troisième ligne. ADN, donc, c'est un espace. Dernière ligne policier, pour rajouter un point d'exclamation. Ouais. Dis donc, t'es pas très matérialiste comme fille, toi? Bah non. Les fringues, tout ça, t'attaches pas une grande importance? Ah, c'est une manière tordue de me dire que je suis habillée comme un sac. Non, c'est une ruse. Il y a de fortes chances pour que tu ne retrouves pas les affaires que tu as laissées dans mon appart. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. C'est Jeanne qui est en train de tout collecter pour faire un grand feu de joie avec les habits de Jeanne. Oh putain, c'est lourd. Me dis pas ça, ça fait 20 fois que je te dis de venir vérifier. Ouais, mais je te rappelle que tu m'as confisqué la clé. Je te rappelle que je bouge pas de la base toute la journée. Oui, mais tu pouvais pas mettre mes fringues à part. Mais je peux pas ouvrir un placard sans m'effondrer. Alors je vais pas trier vos habits. T'effondrer, si seulement tu pouvais t'effondrer. Mais ouvre-les, les placards, ouvre-les grands. Chut, moi je peux t'aider, tu peux m'aider aussi. Laisse-moi tranquille. Mais puisque ça te tracasse, sache que je l'aime pas encore, Gwendal. Mais oh, toi non plus je t'aime pas, hein, t'emballe pas. Mais j'ai besoin de toi, ça t'étonne. Sur terre, tu m'en attendis. Plus rien ne m'étonne. Se faire des sermons muets, des promesses aphones. Les mots de trop. Il faut se taire. Nos langues se fatiguent, ménageons. Parfois
C'est à mon petit frère. Un garçon très propre. Ouais, mais pas pour sa vaisselle. Alors, les télécommandes, c'est le câble, la télé et le DVD. Et puis, il y a un casque, si tu veux. Et pour la PlayStation, tu as débranché la péritane. Merci. Bonne nuit. Ça vient de toi, alors? De quoi? Le courant d'air. Ah, oui. Excuse-moi. C'est pas grave, mais... Disons que... Comme on n'a pas payé le gaz, on évite de dormir la fenêtre ouverte, quoi. Il te plaît pas, mon duvet? Si, il est très bien, mais j'arrive pas à dormir en ce moment, alors je l'utilise pas, quoi. Ouais, je sais, on m'a tenu informé. Je sais pas très bien ce qu'on t'a dit, mais ça va, hein, je peux rester tout seul. Mmh. Il est 6h, là. Normalement, je me lève à 7. Je vais nous faire du café. Qu'est-ce que tu fais pour te lever à 7h? Bah, je vais au lycée. Oh la vache. Salaud. De plus en plus tôt, leur connerie, hein. Je m'appelle Erwan. Oh la vache, les salauds. C'est tous des Bretons. C'est ça, ouais. Des anatoles de Brasse à la bibliothèque, sur la crêpe le mardi soir, et une vision de l'existence qui peut se résumer à faites plaisir au marin et vous chira dans la main. C'est joli. N'est-ce pas? Malheureusement, effectivement, ça bourgeonne. Pas mal d'érables ont commencé déjà à débourrer. Les Caria japonica, qui pour des petites fleurs, également ont commencé... Oui, mais ça va griller, ça. Ça va griller, non? Ça va griller, sauf si, dans son petit jardin, on se commence à se promener avec son sécateur et on commence à couper des petites branches... Attention, télématin, c'est dangereux pour la santé mentale. Hein? Si tu veux profiter de ma chambre, c'est la première porte à gauche. Et t'as rien à craindre de mes draps. Et puis il y aura des petites fleurs. Non, viens. Oui, merci. Ça va? Excellent début de journée en ce qui me concerne. Comment tu peux vivre des trucs avant 8h du mat, toi? Il va faire beau comme jamais. T'as fait l'anglais? Non, par contre, j'ai lu Aragon. Le cri du butor. On stoppe le gage pas tout. Il fait beau comme jamais, c'est un temps contre nature, comme le ciel des peintures. Un temps fort comme une femme, un temps à damner son âme. Il fait beau comme jamais, un temps à rire et courir, un temps à ne pas mourir, un temps à craindre le pire. Arrête-toi, je t'en supplie, arrête-toi. Sur les berges de la Seine, un midi de jeunes gens, Michel avec Madeleine, Pierre avec Jeanne et Germaine qui se promènent avec Jean. Si le ciel est plein d'oiseaux, qu'est-ce que cela peut faire? Le feu qui brûle en enfer. Où allez-vous? Où allez-vous, hirondelles, disent-ils? Est-ce enfin le mois d'avril? C'est parce que t'es le premier garçon à coucher dans mon lit. Ah bon? Je t'ai pris à la boulangerie. Des croissants? Non, pas des croissants, des pains en raisin. Je pensais que pour un goûter, c'était mieux. Mais pourquoi? Il est quelle heure, là? 5h15. Non! Oh, oh là là! Oh. Attends, j'ai pas le temps de passer chez moi, là. Elle est là, Alice? Ah non, il y a personne, là. Oh. Tu veux un change, j'ai des fringues, je peux te prêter? Oh oui, je veux bien, là, parce que ça sent pas la violette. Tiens. Merci. Quoi? Quand même. Bon, pas plus que ça, hein. Ouais.
vous êtes fermé. Bonne nuit. Bonne nuit, Yvette. Bonne nuit, Alice. Bonne nuit, Yvette. Oui, tu sais, Alice, les parents de Julie, ils ont reçu les résultats de l'autopsie. Alors ? C'est un arrêt du cœur. C'est un petit caillot de sang qui s'est logé dans une artère. C'est dû à rien, c'est comme une mort subite chez les nourrissons. Allez, un verre. Ah non, je suis fatigué, je vais rentrer chez moi. Si t'arrêtes pas à dormir, tu m'appelles ? Ouais. C'est sûr ? Oui. Promis ? Arrête, tu m'angoisses. Salut, oh putain, t'es con quoi. Tu finis tard, dis-moi. Qu'est-ce que tu fous là? Le 10e, c'est aussi un peu mon quartier, tu sais. Tu connais des affiches pour la LCR? Exactement. Bon. Tu veux quoi? Pas rien, je passais dire bonjour. Ah, à 3h du matin? Si je t'emmerde, tu me le dis, hein, moi je m'en vais. Bah, tu m'emmerdes pas, mais je comprends pas comment tu m'as retrouvé là. Je suis pas sûr de comprendre non plus. Bon, je vais rentrer, là. Tu vas chez toi? Tu m'invites? Non. J'insiste pas. Je viens pas t'attendre à ton bureau demain. Je suis désolé, Erwan, non. Tu doutes de rien, toi? J'ai besoin de personne. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? C'est bon, je me casse. J'étais inquiète. T'es pas rentrée la nuit dernière. Jeanne, t'es pas ma mère, ok? T'aurais pu me téléphoner, je t'ai laissé plein de messages. T'as eu mes parents? Hein? Ils t'ont dit pour l'autopsie? T'as dormi là hier aussi? Bah oui. Mais t'as pas de maison? Je suis restée parce que je pensais qu'on pouvait s'aider un peu. Se soutenir. Ensemble. C'est dur pour moi pareil, Ismaël. Tu pourrais faire un effort. Hein. Comment ça, un effort? Tu respectes pas ma tristesse. Ah oui, toi tu me respectes dans ta salon chez moi? C'était aussi chez ma sœur. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le chien? J'avais peur ici toute seule, alors j'ai demandé à maman de me la prêter. T'as du feu? Merci. Ça s'est bien passé, ton bouclage? Excuse-moi, je peux pas tenir comme ça, c'est pas possible pour moi. Ça m'intéresse pas, ça m'aide pas. Alors je te laisse le trousseau de Julie, j'en prends mon trousseau, et puis bonne nuit. S'il te plaît, me pose pas de questions, donne-moi le code. 7 à 20. La
C'est bien, c'est à toi. Hein. Vous travaillez bien, t'as... Non, pas du tout, je finis là. Examinons une bibliothèque bretonne. Au programme du bac, tout ça, comme... Attends, excuse-moi. Dérange pas trop. Salut, Joe, quand même. As-tu déjà aimé pour la beauté du geste? As-tu déjà croqué la pomme à pleines dents pour la saveur du fruit, sa douceur et son zeste? T'es-tu perdu souvent? Oui, j'ai déjà aimé pour la beauté du geste, mais la pomme était dure, je m'y suis cassé les dents. Ces passions immatures, ces amours indigestes m'ont écœuré souvent. Les amours qui durent font des amants exsangues, et leurs baisers trop mûrs nous pourrissent la langue. Les amours passagères ont de futiles fièvres, et leurs baisers trop verts nous écorchent les lèvres. Car à vouloir s'aimer pour la beauté du geste, le verre dans la pomme nous glisse entre les dents. Il nous ronge le cœur, le cerveau et le reste nous vide lentement. Mais lorsqu'on ose aimer pour la beauté du geste, ce verre dans la pomme qui glisse entre nos dents nous embaume le cœur, le cerveau et nous laisse son parfum au-dedans. Les amours passagères font de futiles efforts, leurs caresses éphémères nous fatiguent le corps. Les amours qui durent font les amants moins beaux, leurs caresses à l'usure ont raison de nos peaux. Allez, au dodo, l'astico. Pourquoi il est pas si tard? 4 heures, ça va? Ouais, bah demain matin, à 7 heures, il y a les mathématiques, la chimique. Et l'algébrique. Si tu veux, je peux dormir dans le salon. Oh, tu fais comme chez toi, hein? D'accord. Je suis allée avec Scarlett au parc de la Pépinière hier après-midi. C'est la première fois que j'y retourne depuis la mort de Julie. C'était notre parc. Tu sais, c'est là que tu nous emmenais quand on était petites. C'est bien que tu le courage d'aller là-bas, monsieur. Je crois, ouais. Bon. Je fais ma salade. Quelqu'un voudrait du fromage? Non, merci. Oh non. Bah, moi, je veux bien ta salade. Viens la laver à l'eau. Je ne fais pas que pour une seule personne. Jasmine, pas d'hystérie. N'importe quoi. Ismaël, je profite quand même de tout cela pour te dire que Mireille et moi avons décidé de te donner l'argent qui était sur les comptes de Julie. Il y a le compte chèque, ça ne représente pas grand-chose, mais il y a aussi un livret bleu et un livret épargne logement. Je ne sais pas si Julie t'avait tenu au courant, mais comme elle était embauchée en CDI dans son cabinet, il y avait une assurance vie qui faisait partie de son salaire. On a demandé que ce soit à toi qu'elle revienne. Voilà. En tout, tu peux tabler sur à peu près 20 000 euros. Non, merci. Enfin, je veux pas de cet argent, pardon. Personne ne veut cet argent. Alors, autant qu'il serve à celui qui en a le plus besoin. Mais j'ai pas payé l'enterrement, Daniel. Ben, c'était pas à toi de le faire. Papa.
quoi à réviser, toi, aujourd'hui? C'est nouveau, cette résolution d'aider ta mère à faire la vaisselle? Noël est passé, qu'est-ce que tu espères? Dis donc, la famille, aurait-on parlé permis de conduire dans cette maison? Et toi, la vieille sœur, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Un peu de jalousie, non? On t'a parlé permis de voiture à toi quand t'avais 20 ans? Regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi quand je te parle. Tu me regardes et tu me fais un bisou. Fais-moi un bisou. Parce que moi, je t'aime. Je t'ai toujours aimé depuis longtemps. C'est toujours dégueulasse. Je suis contente que t'ailles bien, Ismaël. Ça nous porte tous. Dans le bleu parfait, nulle trace de Dieu. Au ciel, ces nuages lents, dans le bleu des fers, le soleil inonde le ciel. Mes jours en hiver, passés à t'oublier, où chaque seconde est une poignée de terre, où chaque minute est un sanglot. Vois comme je lutte, vois ce que je perds en sang et en eau, en sang et en eau. Je jette au ciel ces galettes polies que tu peignais en hiver, mais nulle réponse du ciel. Nul ricochet sur cette mer à l'envers. Le soleil inonde le ciel. Mes jours en enfer passés à t'enterrer, où chaque seconde est une poignée de terre, où chaque minute est un caveau. Vois comme je lutte, vois ce que je perds en sang et en eau, en sang et en eau. J'espère qu'au ciel, les diables malins coupent aux anges leurs ailes pour que tu retombes du ciel dans mes bras ouverts, cadeau providentiel. Mais chaque seconde est une poignée de terre. Mais chaque seconde est une poignée de terre. Et chaque minute est un tombeau. Vois comme je lutte, vois ce que je perds en sang et en eau. En sang et en eau. De vodka. Avec ton curry d'agneau? Hein?
Bonjour Ismaël. Il est midi passé. La sœur de Julie. La sœur de Julie ? Vous êtes Alice ? Non. Allô? Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu te voir, t'es où? Derrière toi. T'as pas cours là, t'as pas un bac à réaliser, des disserts à faire. Très sincèrement, j'estime qu'en ce moment j'ai rien de mieux à faire que de t'attendre. Alors t'es très gentil, Erwan, t'es très mignon, mais je t'assure, je suis comme un gros mystère pour toi là. Un truc dont t'as même pas idée. Ça veut dire quoi ça, Ismaël? Ça veut dire que tu me connais pas et que t'as aucune raison de m'attendre. Le mystère de tes yeux là. Ce mystère qu'en fait tu ne sais pas. Le secret de ton état. Des secrets, j'en ai des tas. Cette barrière entre nous. Cette barrière qu'en fait ce garde-fou. Passer la frontière de ton état. Les pieds sur tes terres, regarde-moi. Il faudra bien que tu t'avances si on veut combler la distance entre nous. Il faudrait t'accrocher plus fort si tu veux t'accrocher encore à mon cou. Sur tes terres il fait si froid. Cet hiver qu'en fait ne vois-tu pas. Que du sol au ciel de ton état. Tout n'est que gel, réchauffe-toi. Il faudra bien que tu t'avances si on veut combler la distance entre nous. Il faudrait t'accrocher plus fort si tu veux t'accrocher encore à mon cou. Le mystère de tes yeux là, ce petit mystère, il tient à quoi? Ce pauvre mystère en sale état n'a rien à faire entre tes bras. Connard! C'est Gwendal qui envoie son frère. Bonjour Alice. Il voulait quoi? Il t'a transmis un message? Tu n'es pas concernée. Non, non, il te fout pas de ma gueule, s'il te plaît. Hein. Je me doute bien qu'il a chargé son petit frère de venir me faire la morale. Il veut m'apitoyer. T'apitoyer de quoi? J'ai rompu un peu salement, j'avoue. Mais ça va, il soyez déjà marié. C'est un psychopathe des sentiments, ce type. Ça va très bien, Gwendal. Pourquoi t'as rompu? Tu vois, il a déjà réussi à te rompre. Non, mais je te jure, il est dangereux, il me fait peur. J'ai peur de lui. T'as peur de Gwendal? Mais arrête, je veux plus voir. Bon. Tiens, tu fileras les clés au petit frère. Non, on m'avait déjà prévenu, hein. C'est dangereux les Bretons. Alors un Breton amoureux, cours. Tiens. Ah non, mais je. Non, mais il nous le renverra, son Erwan. Couru d'avance, hein. Tu les lui donneras, son mot. Merci, Julien. Quoi? Rien du tout. Le sujet de... Hop, c'est nouveau, ces baskets. Ouais. Tu les aimes bien? Non, elles sont moches. J'ai donné les clés à Ismaël. Et les affaires qui restent, je vous les laisse, c'est pas grave.
Tu diras à ton frère, je suis désolée. Pardon. Tu veux pas que je te dépose ? Comment ? Tu veux pas que je te dépose ? Non, non, ça va, non. T'es sûr ? Oui. Salut. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge. Et qu'on n'a pas une chance, la vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes. Allô? Bonsoir. Je suis obligée de rester dehors à cause de l'animal. Désolée d'avoir téléphoné si tard, j'attendais que mon mari s'endorme. Ah oui, pas de soucis, je sortais juste du journal. Vous avez pas dit à Ismaël que vous veniez ? Non. La fille aînée a un peu fouillé dans ses affaires pour trouver votre numéro de téléphone. Vous voulez voir quelque chose ? Non, ça va, merci. Ismaël m'a dit pour les résultats de l'autopsie. Pourquoi il vous a dit ça ? Il attache de l'importance ? Je crois, oui. Enfin, c'est important de comprendre, non ? Je ne suis pas certaine. On s'est habitué à ce que les médecins éclairent tous les mystères, dénichent les petits secrets cachés qu'ils expliquent. Je refuse cette tromperie. Le mystère fait partie de la vie. Sur la mort de Julie, il restera collé comme une horreur de plus. Mais c'est pas de ça dont vous voulez parler. C'est idiot à dire, je voudrais que vous preniez soin d'Ismaël. Je voudrais que vous veilliez sur lui. Je vous le demande. En fait, je vous ai fait venir parce que j'ai appris que vous n'habitiez plus chez lui. Et j'ai peur de le savoir tout seul. Mais il est pas tout seul. On se voit tous les jours. Et sentimentalement ? Sentimentalement quoi ? Vous êtes toujours ensemble ? Oula, ça me fait bizarre votre question là. Je ne veux que son bien. J'en doute pas. Et très honnêtement, je pense pas qu'on puisse faire le bien des gens malgré eux. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Papa m'a envoyé te chercher. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il t'a pas trouvé, il m'a réveillé. Ça va, je suis là. Que je lui ai dit que tu étais partie promener Scarlett. Je suis désolée, Alice. Allez-y. En tout cas, merci infiniment de vous être déplacée. N'oubliez pas, comptez tous sur vous. Vous faites partie de la famille. Je peux vous embrasser ? Oui. Viens. Je vous laisse 10 minutes d'abord pour vous engueuler. J'arrive. Scarlett. Je vais m'asseoir. T'as pas une cigarette ? J'ai un partiel après-demain, ça me surstresse. Tu veux que je te laisse le paquet ? Non, je dois dormir. Je dois dormir. Faut que je passe ma nuit à fumer. Dis, sans que tu le prennes mal, et vraiment prends-le comme de la bienveillance de ma part. Je pense pas du tout que tu fasses partie de la famille. Je te remercie. Je pense pas non plus qu'il faille appartenir à ma famille pour ressentir le chagrin de Julie. D'accord. Sinon, toi, tu t'en sors ? Non. Très objectivement, je m'en sors pas du tout. Et toi ? Un peu. Je crois, ouais. Je vais y aller. Salut.
lave. Ma mémoire sale dans son fleuve de boue. Du bout de ta langue, nettoie-moi partout. Et ne laisse pas la moindre trace de tout ce qui me lie et qui me lasse. Hélas, chasse, traque-la en moi, ce n'est qu'en moi qu'elle vit. Et lorsque tu la tiendras au bout de ton fusil, n'écoute pas si elle t'implore. Tu sais qu'elle doit mourir d'une deuxième mort. Avant toi, et ça ne sert à rien. À quoi bon les sanglots inonder les coussins? J'ai essayé, mais j'ai le cœur sec et les yeux gonflés. Mais j'ai le cœur sec et les yeux gonflés. Alors brûle, brûle quand tu t'enlises dans mon grand lit de glace. Mon lit comme une banquise qui fond quand tu m'enlaces. Plus rien n'est triste, plus rien n'est grave. Si j'ai ton corps comme un torrent de lave, ma mémoire sale dans son fleuve de boue. Ma mémoire sale de ce fleuve de pousse. Jeanne? Scarlett t'a réveillée? Je t'ai enlevé des croissants. Jeanne? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je vais pas pouvoir t'offrir de petit déjeuner aujourd'hui. Hein. On peut se parler là? Je suis pas certaine d'avoir grand chose à te dire. Bon, on va marcher alors, voilà, on va marcher. C'est bon, on est dans une rue, hein. Personne va nous le reprocher. Mais toi, j'ai pas de te reprocher quoi que ce soit. J'ai pas dit ça pour ça, écoute. Chacun fait avec la peine à sa manière, je te juge pas. Hein. Juste, je trouve que ta manière est violente. Ah bah donc tu me juges un peu? Non, j'essaie de comprendre. Mais comprendre quoi? Comprendre ce qui se passait entre Julie et toi. Oh! Ça, c'est un challenge. À comprendre pourquoi t'as jamais voulu d'enfant. Pourquoi vous étiez dans un ménage à trois.
comprendre ce que c'était la vie de ma sœur avant qu'elle meure. Ah, et la présence d'un garçon dans mon lit, ça explique tout, c'est ça. Mais t'as la bonne notice, quoi. T'as de la chance. Il peut bien y avoir des raisons pour qu'elle soit malheureuse, non? Non, là, je me tais. Hein. Je crois que c'est mieux, on est d'accord. Non, c'est pas mieux. Personne t'empêche de parler, sinon elle est le contraire. Hein. Les gens ont besoin de t'entendre. Mes parents, notamment. Tu dois leur parler. Leur parler pour leur dire quoi? Mais je sais pas, ce que tu vis... Non, mais ça va, avec ça. Moi, c'est pas mes parents. J'ai déjà des parents, j'en ai pas besoin d'autres. Tu penses qu'à toi. T'es vraiment ingrat. Égoïste. Voilà, je suis inconséquent, je suis idiot. Et puis... Oh, je suis pédé, alors, ça c'est... C'est pas ce que j'ai dit. C'est dégueulasse de me faire passer pour la conne. Chut. Même soleil d'hiver, même bruit de brindilles, le bout des doigts glacés, le givre sur les grilles, même odeur d'humus, la terre qui se terre, tout y sera, tout y sera, à part toi. Parc de la pépinière, fin de semaine, encore une heure. Encore une heure de jour et la nuit vient. Même température, le mercure à zéro. Même mélancolie faux au portillon du zoo. Même parents pressés, leurs enfants en manteau. Tout y sera, tout y sera, à part toi. De la pépinière, fin de semaine. Encore une heure à peine. Encore une heure de jour et la nuit vient. J'aurais beau décalquer, refaire les mêmes parcours, reprendre les mêmes allées aux mêmes heures du jour. J'aurais beau être la même, j'aurais beau être belle. Tout y sera, tout y sera, à part toi. Parc de la pépinière, fin de semaine. Encore une heure à peine. Encore une heure de jour et la nuit vient. La nuit vient et puis rien. Ciao. Ah, salut. Et qu'est-ce que tu fais là? C'est encore ton frère qui t'envoie? Faut pas qu'il assiste comme ça, hein, c'est lourd. Ça se fait pas. Je cherche Ismaël, là. T'as pas un service commandé pour Gwendal? Bah non. Il t'a pas prévenu qu'on avait rompu? Bah non, mais je m'en suis aperçu. Il voit quelqu'un? Oui, tu sais pas où Ismaël, là? Il est gonflé, lui. Non, je sais pas, et j'aimerais bien le savoir, parce que je tiens pas à monter les pages toute seule. Il répond pas à son portable. Ouais, je sais. T'es pas inquiète? Ouais, je devrais. C'est sympa, c'est un peu parti, j'aime bien. Bon, qu'est-ce qui se passe au juste, Erwan? Bah rien, j'espère le trouver là, c'est tout. Et tu lui veux quoi, Ismaël? Je veux pas de mal, t'inquiète pas. Bon, je te laisse bosser. De toute façon, j'ai un backboard demain, moi. Bye. C'est ça, bye. Et Erwan, dis-moi là, juste un truc. Ça va te paraître absurde que je te demande ça, mais j'ai un doute soudain. Vous êtes pas ensemble avec Ismaël? J'espère que si. Ah oui. Salut. Ouais, c'est... Salut. Oui, bah salut. Oh, oh mon cochon. Oh.
tu si tard. Je ne t'attendais plus. Je vais cesser d'y croire. Tirer un trait dessus. Pourquoi viens-tu si tard? Qu'est-ce qui t'amène ici? Quelle cruauté bizarre, cette soudaine envie. Pourquoi viens-tu si tard? Ta mère t'a rien appris. On n'arrive pas si tard. J'ai ce qu'il faut qu'on vit. Sans fleurs à la rigueur, mais la vraie politesse, c'est d'arriver à l'heure. Lorsque le temps nous presse, pourquoi viens-tu si tard quand tout est accompli et que d'autres accaparent ma place dans ton lit? Pourquoi viens-tu si tard? Tu n'as aucune excuse, pas le moindre bobard. Pourquoi viens-tu si tard? Je ne peux ce que tu veux. Ta bouche est pleine d'histoire, d'avenir lumineux. Où il n'est pas si tard, mon ange, quelle idiotie. Si tu pouvais te voir, n'avons-nous pas grandi? Petit, depuis ce matin, oh bah... j'ai traîné comme un crétin. On t'a attendu, hein? Au niveau du caniveau de Montparnasse à Château d'Eau. Ça va? J'ai bu des verres et puis des verres. Je suis très mélancolique. Zubrovska, Riesling, Piper, à court de tout, à bout de moi. Je suis revenu chez toi. Moi je voulais juste un corps, je cherchais seulement des bras. Un lit de réconfort, des délices sous les draps. Mais hélas au lieu de ça, j'ai cru entendre je t'aime. J'ai pensé c'est son problème. J'ai cru entendre je t'aime. J'ai pensé c'est son problème. Mais j'y crois. Peu importe que tu y crois, peu importe que je sois à bout de moi, à court de tout, mais pas de ça entre nous. Être un corps, je suis d'accord, t'offrir mes bras, pourquoi pas. Mon lit, ok encore, pour rire en salir les draps, mais je crains que pour tout ça, tu dois entendre je t'aime. Tu dois entendre je t'aime. Je suis vieux, veuf et sectaire. Un pauvre imbécile, secrétaire. Je suis beau, jeune et breton. Je sens la pluie, l'océan et les crêpes au citron. Tais-toi un peu, petit trésor. Tu as tout faux. Une fois encore, suis très précieux, épargne-moi. D'accord, mais entre nous pas de ça. Être un corps, je suis d'accord. Je cherchais seulement mes bras. Mon lit, ok encore. Tes délices sous les draps. Mais je crains que pour tout ça, tu dois entendre. Aime-moi moins, mais aime-moi longtemps.
J'étais partie ce matin au bois pour toi, mon amour pour toi. Cueillir les premières fraises des bois pour toi, mon amour pour toi. Je t'avais laissé encore endormi au creux du petit jour. Je t'avais laissé encore endormi au lit de notre amour. J'ai pris, tu sais, le petit sentier que nous prenions quelquefois, afin de mieux pouvoir nous embrasser en allant tous les deux au bois. Il y avait des larmes de rosée sur les fleurs des jardins. Oh, que j'aime l'odeur du foin coupé dans le petit matin. Seule je me suis promenée au bois. Tant pis pour moi, la lune y était partie. Pour que tu puisses en te réveillant me trouver contre toi, j'ai pris le raccourci à travers champs et bonjour me voilà. J'étais partie ce matin au bois. Bonjour mon amour, bonjour. Voici les premières fraises des bois. Pour toi, mon amour, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi.